Septième ciel. On ira au ciel. C'est sûr. On pourra peindre les ciels à l'eau. On sera bien. Non, on va voir la terre, parce qu'on sera plus loin. Les ailes des blancs. Pas mieux de se faire. Je ne sais pas de ça. Est-ce que qui va en enfer, ils vont peindre quoi? Du feu. Pardon ? Ah non, justement, c'est là où il faut faire attention. C'est pas un piège. C'est une façon de peindre. C'est pas un piège, c'est simplement ça. Et dans l'eau aussi. C'est la... Vous cherchez moins comme ça. D'accord ? Ah merde, j'aurais peut-être pu nettoyer mon truc, mais c'est pas grave. Hein. J'aurais pu nettoyer. Hein. C'est cobalt, non ? C'est pour rien. Non. Vous y arrivez, vous travaillez. Hein. Ben vous n'êtes pas pour ça. Rassurez-vous, j'ai mis du temps. Alors là, on a un cobalt et puis... Il y a un cobalt et un primaire. Le primaire. C'est du travail. Non, l'autre, c'est le... Céréum. Alors, attention à ne pas mettre trop d'eau, parce que là, vous allez... Quand on met trop d'eau avec les pigments... Ben, ça va faire des... Voilà. Un petit goût. Ah, ça vous paraît fort, hein? Vous allez rentrer, vous allez voir que ça va pas être fort quand ça va... Quand on va se retrouver... Quand ça va sécher. Et ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ouais. Pour ça que n'hésitez pas à mettre du pigment. Ça sèche, ça s'adoucit. Ah, ça va être marrant. Ah, ça va être marrant. Tiens, ça c'est bien. Ça n'est pas la table. Alors, avant que ça prenne des tournures bizarres, hein, surtout, bah, vous pouvez, c'est à vous de gérer ça. C'est pour ça qu'avoir la feuille libre, c'est pareil. Hein, on... Hein, d'accord ? Alors, j'ai oublié de faire un petit peu en bas, alors je vais en mettre un petit peu en bas, hein, parce que bah, j'ai mouillé un peu. Oh, que c'est marrant. Bon, t'as tout bleu, dis donc. Très chouette. Tiens, patron. Chef. Et où, chef ? Alors, je vais peut-être enlever un peu mon merdier là, qui est au milieu. Ça va me donner des couleurs bizarres. Ouais. La palette, tu l'as trouvée où ? Il y a Chertis. C'est ça ? Chertis. Pardon ? Il y a des palettes comme ça. Non, j'ai trouvé ça chez... comment ça s'appelle ?
À Grenoble, chez. Chez Le Temps des Couleurs, je crois, comme ça. Ah, mais à Saint-Égrève. Alors, effectivement, moi je l'ai pris, je l'ai dit au moment où ça y était. Alors, donc, les personnes qui sont allées, elles en ont eu tout de suite. Donc. Et maintenant, il y en a plus. Après, bah, c'est vrai que faut attendre qu'ils soient réalimentés parce que c'est vrai que. Peut-être sur Internet, non ? Ah, sur Internet, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que je n'ai pas pensé à Internet, mais il faudrait que je vous donne le petit. Toi, tu l'as trouvé où, toi ? Chez Artis. Non, pas chez Artis. Non, mais je l'ai trouvé. Ah, tu l'as trouvé chez Artis. Il y a 6 mois en arrière. Combien ? Elles sont vraiment dessous. À quel endroit ? Ah, ouais. Là où ils font les godets, justement. Non, mais à Chambéry, c'est au bon. C'est aux alentours des 15 euros. Je t'ai des fois. Là, je crois que c'est plus pour quand il y a des expos, des trucs comme ça, qui mènent. Mais si, parce que c'est pas toujours. Non, mais non, pas. Elle en a acheté une, là, regarde. Comment quand est-ce que tu... Suzanne. Oui, mais quand ? Il y a 6 mois, là. Il faut vraiment les chercher, hein. Ils ne les montrent pas, elles sont dessous. Là où il y a les godets, vraiment en dessous. Je vais regarder tout à l'heure, là. Je vais y passer. Et pourquoi ils les montrent ? Si je trouve... Bah, ça, si tu veux, tout le monde... Oui, c'est d'abord, c'est grand. Et puis, c'est vrai que je ne pense pas à ça. C'est quand tu... Moi j'en ai besoin parce que je cherchais, quoi, j'avais des pinceaux là. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est trop moi je l'ai cherché pendant un moment parce que tu sais. C'est vrai que... Mais là, on voit ces couleurs, on voit la place sur les lunettes, on voit la rue. Pardon ? Il y a deux. Alors, peut-être que je pourrais qu'il ne fermait pas. Comment ça, on est ? Exactement. Même il faudrait des tubes, c'est des tubes de couleur qui vont s'ouvrir. Alors là-dedans, il y a un bleu outre-mer, un quart de ciel brûlé. Et un tout petit peu de lézard. Ouais. Et le PA, souvent ils ont sorti des PBO qui sont assez cool. Pas très cher. PBO. J'ai été pour essayer pour voir. Oui. Et je conseille, pour faire ça, à tout le monde, de travailler debout. Moi je ne peux pas prendre comme ça, c'est pour ça que j'ai pas. Voilà. Voilà le ciel. Oh, ciel. Ouais. Non, c'est pas le même que. Ouais. Non. Non. Allez, plus chargé. Plus coloré. Mais ça me rentre. Ouais. On va mettre un petit peu là encore. Et vers les maisons, c'est très très clair alors. Hein ? C'est rose. Vers les maisons, c'est presque blanc à l'usé quand même. Je sais pas, les maisons, comment je vais les faire ? Bon, j'ai repris la couleur que j'ai utilisée pour le ciel. Pour le ciel. Alors, on va faire un peu de verdure derrière. Donc, la verdure, c'est du vert. Et puis après,
pouvez rajouter ça. Je vous fais un vert jaune, hein. Réséda. Différent. On rajoute ça. Il a une autre couleur. On rajoute ça. Il a une autre couleur. Il est toujours vert. Hein. Là, je vais rajouter ça. Je le fonce. Ah. Je peux même rajouter un peu de rouge. Allez. J'arrive à faire un vert foncé. Ah oui, rouge. Pour ça, allons-y, cherchez pas à acheter plusieurs verres, vous n'emmerdez pas, de toute façon, on va vous en vendre plein. Et c'est jamais le bon. Et en plus, vous ne serez jamais, en harmonie dans votre aquarelle. Pourquoi ça fait des verres qui... Ben oui, parce que c'est des verres qui sont fabriqués, alors que là, vous utilisez tout ce que vous avez utilisé avant, et on se fait plaisir en plus, parce qu'on fabrique nos verres. Là, il y a du terre, la terre de Sienne. Terre de Sienne brûlée. Cardon brûlé, et puis je crois même qu'il y a du rouge. Le rouge aussi. Mais c'est pour le foncé. Maintenant, je vais mettre quelque chose de plus clair. Voilà, si j'ai envie. Donc il est trop vert. Hop. On se fait tout ouvert. En plus, avec ce papier-là, pas oublier qu'on va encore descendre l'intensité. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de mon bazar. Je travaille. C'est pas tout à fait ce que il y a devant moi, hein, mais je m'en fous. J'ai envie de faire autre chose. Tiens, là. Tiens, hop là. Petite tache d'eau. Ah oui, ça fait petit. C'est une auréole voulue. Et pourquoi ? Parce qu'elle crée un espèce de... feuillage. Un feuillage, simplement. Hein ? Bon, faut en user, mais pas en abuser. Hein ? C'est ce qu'il faut. Voilà. D'accord ? C'est pour montrer, hein ? Allez ! On va faire du jaune maintenant. On va se marrer avec le jaune. Ça, c'est le citron. Ah, tiens. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce rouge. Là, c'est les bouchons. Attention. Donc sur papier sec. Hein. Oui. Il faut user. Ah, je suis sur sec. Hein. J'ai envie de l'abîmer. Mais il faut user la toile. Même si c'est moche, on s'en fiche. À la fin, on arrive toujours à faire quelque chose. Le piment, il y en a un paquet, hein. Il n'y a pour ainsi dire pas d'eau, hein. Peut-être pas que j'oublie une maison. Oui. Hein. Tant pis. Oui, je sais. Tant pis. C'est pas vrai. Une maison. Je vais revenir à mon petit verre, tiens. On va boire un bon canon. Parce que là, c'est un verre qu'on a fait à contre-jour. Je suis toujours avec mes verres. Hein. Hein. J'ai envie de foncer un peu. Un petit coup de rouge.
Camion, c'est tout leur, c'est une couleur opaque. Puis elle tient. Elle tient bien, un camion de chair. D'ailleurs. Voilà, tiens. Mais elle tient bien. C'est pas sec, hein. Ça s'en va tout seul. Mais j'ai presque pas l'eau là-dessus. Hein. D'accord. Ouais. Eh oui. C'est vraiment une technique quand même. Mais pour les couleurs, l'huile, ça doit être pareil. C'est ce que je me dis. Hein? Et quand vous voyez ça, vous dites c'est vachement foncé. Mais toi, je trouve que ça descend toujours en couleur. Ouais. Tout descend. Non, mais c'est vrai. J'ai pas dit ça. Bon, donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Alors, je vais un tout petit peu plus loin. Ce jaune orange là qui est très beau, c'est jaune cadmium. Il y a du jaune cadmium. Il y a un jaune et un jaune. Oui, mais c'est un jaune. Il n'y a pas que ça. Il y a du 1, il y a du 2. Il y a plusieurs cadmium aussi. J'avoue que j'en mets beaucoup maintenant. Le jaune, il y a. Elle est solide la peinture. J'aime bien le jaune. Par contre, il suce très très vite le rouge. Je crois qu'il suce très très vite. Il suce très vite. Oui, oui, il disparaît très vite de la palette, il part très vite par rapport à d'autres couleurs. Je ne sais pas. Ou alors le pigment n'est pas pareil. Ah, tu n'as pas l'impression que tu t'en sers beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il sert beaucoup de base. Toi aussi, je le sens par rapport à d'autres couleurs. C'est possible, tu vois, j'ai jaune que. J'ai pas fait le. Jaune. Ouais. Je suis moins bien placé que. Joli les couleurs, hein. Ouais. Jaune et vert, c'est joli. Les belles couleurs, non, c'est pas. L'orangeale et de la menthe, c'est bien vert. Quand tu bois des jus de fruits, l'orangeale et la menthe. Tu prends de l'orangeale ou de la menthe. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape à faire en 10 minutes. Là, on fait de l'animation. Thank you.
Ah oui, je l'ai dit. Je n'aime pas le bois. Je n'aime pas le bois. Tu l'avais déjà fait deux fois. Oui, on peut continuer, mais on n'a pas tellement fait. Mmh. La maison, tu ne les dessines pas dans le reflet. Non. Et pourquoi je ne les dessine pas ? Parce que c'est difficile. D'abord parce que c'est compliqué. Oui. Hein ? Oh, ben ça ne meurt pas. Et puis en plus, non. C'est parce que ça crée, si tu veux, pour être ici, ça crée une profondeur. C'est-à-dire que là, j'en ai qui sont un peu éloignées, d'ailleurs, elles sont plus claires. Et là, ils sont devant. Non, non, mais je vois. Mais c'est pas pour ça que j'aurais fait. Hein. Je regarde les gens. Ça commence petit à petit en chalet. C'est du bleu de comment ça là hein? C'est du bleu quoi, ce bleu là? Ce que celui que tu utilises pour faire tes. C'est le bleu outre-mer. D'accord. Et je trouve haut. Je
de goût du sel. Ah, je vais peut-être faire un tas de sel. Hein. C'est vrai dans les langues. Bon, alors. Il est franchement beau. Hein? Genre, ça va mieux? Non, je trouve.